Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis de l'école printanière, bonjour et bienvenue dans la troisième séance des leçons de l'unité numéro 5 en informatique et robotique. Dans la quatrième année du primaire, toujours dans l'unité 5, la robotique. Mission numéro 4. Aide-moi à sortir du labyrinthe. Labyrinthe. Pour aider Timio à sortir du labyrinthe, réalise les tâches suivantes. Premièrement, dessine dans chaque rang le mouvement convenable. Avancez, tournez à droite ou tournez à gauche. Au début, Timio est en bas. Qu'est-ce qu'il va faire pour entrer et sortir du labyrinthe? Il doit, premièrement, avancer, puis tourner à droite, puis avancer, puis encore avancer, puis cette fois, tourner à gauche, puis encore avancer, puis tourner à droite, puis avancer, puis tourner à gauche, puis avancer et avancer, puis tourner à droite et avancer. En te basant sur les mouvements dessinés dans le labyrinthe, complète le programme suivant par les mouvements convenables pour que Timio sorte du labyrinthe. Alors, le programme qu'il faut faire pour que Timio sorte du labyrinthe. Voyons un petit peu le programme qu'on avait fait. Timio, il était à l'extérieur. Il va entrer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer. Puis, il va tourner à droite. Puis, avancer et encore avancer. Ensuite, tourner à gauche, puis avancer. Ensuite, tourner à droite, puis avancer. Encore tourner à gauche, avancer et avancer, puis tourner à droite et enfin avancer. Ouvre l'interface de programmation. Établis le code convenable en te basant sur les réponses correctes de cette mission. Mets Timio sur le labyrinthe. Branche Timio à ton ordinateur et exécute le programme. C'est bon? Timio sort du labyrinthe. Bravo! Mission accomplie avec succès. Mission numéro 5. Aide-moi à avancer en couleur. Mouvement en couleur. Timio veut faire des pas en avant tout en illuminant, déclenchant une lumière en couleurs différentes. Avancez, puis déclenchez la lumière rouge. Avancez une autre fois, mais déclenchez la lumière jaune. Avancez une dernière fois et déclenchez la lumière bleue. Pour aider Timio, réalise les tâches suivantes. Premièrement, relie par un trait chaque action à son bouton. Une action correspond à un bouton. L'action avancée. Ça, c'est représenté par flèche en haut. L'action déclencher la lumière rouge va la relier à bouton rouge. Action avancée, flèche en haut. Déclencher la lumière jaune avec le bouton jaune. Avancée avec la flèche en haut.
Déclencher la lumière bleue. Relier au bouton bleu. Deuxièmement, dessine les actions convenables au programme. Voyons un petit peu les actions à faire dans le programme. Donc, premièrement, avancer. Puis, déclencher la lumière rouge, c'est-à-dire bouton rouge. Puis, avancer encore. Puis, déclencher la lumière jaune, c'est le bouton jaune. Plus avancer, plus bouton bleu, c'est-à-dire déclencher la lumière bleue. Troisièmement, ouvre l'interface de programmation. Établis le code convenable en te basant sur les réponses correctes de cette mission. Branche Timio à ton ordinateur et exécute le programme. C'est bon, Timio suit les instructions. Bravo! Mission accomplie avec succès. Des activités supplémentaires sont disponibles en version ordinateur et sur l'application mobile. Merci les amis d'avoir suivi cette leçon et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.